Ne pouvons qu'être sensibles à cet intérêt que vous accordez à la visite du gouvernement. Donc, merci beaucoup pour cet intérêt. Je voudrais au nom du gouvernement aussi saluer les jeunes qui sont parmi nous ce soir. Je sais que plusieurs responsables ont été mobilisés pour que vous puissiez être présents à cette rencontre avec l'Église des Saints des Derniers Jours. Je voudrais profiter de cette occasion, naturellement, au nom du gouvernement, pour vous adresser aussi nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Nous sommes encore au début de l'année, donc on peut adresser les voeux. Vous dire, naturellement, que nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour cette année 2015. Je souhaite que vos voeux soient exaucés, que vos plans, nous sommes encore jeunes, donc nous avons une vision et nous construisons notre avenir. Je souhaite que vos plans se réalisent comme vous le souhaitez. Et je souhaite surtout qu'au milieu, au centre de cette Église et au centre de vos familles, vous soyez entourés de bonheur, bon vivre, et tout cela dans le respect naturellement des règles que nous connaissons tous, puisque nous sommes là ce soir, dans cette enceinte. Le président prit ici, dès qu'on est arrivé, on met en avant. On va pas chercher les anciens parce qu'ils ont déjà travaillé. Il est venu le temps pour moi de vous bénir. Et je voudrais pour cela, président Fritsch, dire cher ami. Cher ami, parce que je me rappelle deux fois que tu t'es déplacé pour l'ouverture de l'assemblement des jeunes de l'église au collège de Pnavia. Hein. Et je savais que tu étais très occupé, mais tu as pris ce temps de venir honorer de ta présence. Dans l'Église, on se dit « chers frères ». Nous sommes tous enfants de Dieu. Hein. Donc, chers frères, chers amis, sœurs, merci d'être venus parmi nous. Je voudrais laisser quatre cartes spirituelles ce soir pour nous aider, nous tous, au début de cette année, 2015. La première pensée se trouve dans Jérémie, chapitre 1, verset 5. Et ça rejoint un peu, Président, ce que Président Frist vient de dire. Il dit dans les versets 5, 4 et 5, Jérémie, chapitre 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » J'ai envie de dire Édouard Fritsch, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, tu te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, tu t'avais consacré, tu t'avais établi prophète des nations. » On va mettre ici le président du pays, hein. Le Seigneur nous connaît tous, hein. J'aime bien quand le président Pedro a rappelé la première vision de Joseph Smith, j'aime bien cette partie où Joseph Smith dit, il m'appela par mon nom. Vous connaissez tous, et s'il devait nous appeler, il appellerait chacun de nous par son nom. Le deuxième cachet spirituel que je voudrais partager, que j'utilise moi-même dans mes responsabilités, se trouve dans le premier livre du livre de Mormon, Nephi chapitre 3, verset 7, qui est un verset de puissance et de foi, et que tous les jeunes missionnaires utilisent aussi quand ils sont appelés à aller en mission, que moi j'utilise quand on m'appelle sur quelque chose, je ne sais pas comment faire, il faut le faire. Et Nephi a dit, on lui a demandé d'aller chercher les plaques d'or de quelqu'un qui a 40 soldats. Et ses frères ne veulent pas aller, ils ont peur d'être tués. Et Nephi dit,
Il arriva que moi, mes filles, je dis à mon père, j'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée, car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Le Seigneur t'a commandé de visiter ce pays. Et si tu t'appuies, si le gouvernement, si nos dirigeants s'appuient sur notre Dieu, alors il vous soutiendra d'une façon, j'ai envie de dire, miraculeuse. Troisième cachet spirituel, je tire de, toujours du livre de Mormon du prophète allemand, au chapitre 26 et au verset 12. On était en train de le, comment dire, patiter, hein? Un peu c'est ce qui nous arrive lorsque nous réussissons. Voici ce qu'il a dit. Vraiment, il a dit oui, je sais que je ne suis rien. Pour ce qui est de ma force, je suis faible. C'est pourquoi je ne me vanterai pas de moi-même, mais je me vanterai de mon Dieu. Car avec sa force, je peux tout faire. Combien nous avons besoin de la force de notre Père Céleste et de notre Dieu pour réussir au-delà de l'intelligence que nous avons et au-delà de la sagesse des hommes que nous avons accumulés. Et pour terminer, quatrième cachet spirituel pour nous, plutôt en ce moment il y a beaucoup de chikungunya, ça peut aider. Se trouve dans une révélation que le prophète Joseph Smith a reçue dans les doctrines à l'heure 35 et au verset 3. Il a reçu ça en décembre 1830. Il dit, en fait, il reçoit la révélation pour un des dirigeants de l'Église ce temps-là qui s'appelle Sidney Rigdon. Mais je vais supprimer Sidney et je vais mettre Edward. Voici ce qu'il dit. Voici en vérité, je dis à mon serviteur Édouard, je vous ai observé, toi et tes œuvres. J'ai entendu tes prières et t'es préparé pour une œuvre plus grande. Tu es béni car tu feras de grandes choses. Je prie. Que avec ton gouvernement, vous soyez bénis. Les bonnes choses, les bonnes décisions que vous prendrez. Je prie que vous soyez protégés des moins intentions des hommes et du mal. Je prie que par le pouvoir de la foi, vous puissiez ouvrir des portes qui sont difficiles, parce que par le pouvoir du Saint-Esprit, vous ajusterez ces choses. Je prie que vous puissiez vivre une vie de sorte que vous puissiez bénéficier de la présence de l'Esprit Saint et de ses anges, de notre Père Céleste. Nous croyons en ces choses. Nous croyons que les anges sont autour de nous pour nous servir. Et c'est avec cette croyance et cette foi que nous allons de l'avant et que nous prions pour vous, vous qui avez pris le temps de venir nous rencontrer. Et je prie que notre Finnois puisse toujours connaître la paix et que entre Polynésiens nous puissions vivre en tant que frères et sœurs appartenant à une même famille dans le respect des uns et des autres, quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons. Et quelle que soit à l'origine sociale ou ethnique auquel nous appartenons. Que Père Céleste puisse vous guider toujours. Et que les prières des membres de l'Église, je demande ici au président de Dieu de transmettre les messages au niveau des évêques, des paroisses et des familles. Et
aussi la bénédiction que je sais pour qu'elle puisse s'accomplir en tant que membre des 70 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je laisse cette bénédiction au nom sacré de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je pense le plus grand bien de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour une raison très simple. C'est que ma famille est originaire de Tupoué et que les premiers baptisés mormons polynésiens ont été donc les citoyens de Tupoué. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que lorsque j'étais enfant et que j'habitais à Tomno, je venais ici, dans l'église donc mormone, et je me partageais en fonction donc de mes tantes, de mes oncles, soit à l'église mormone, soit à l'église protestante. Et ensuite, j'ai beaucoup plus évolué au sein de l'église protestante, mais j'ai toujours ce regard attentif sur l'église mormone.